restez fidèle à votre engagement monastique, selon la règle de saint Benoît, et à exhorter vos frères à faire de même, afin de les entraîner à l'amour de Dieu, à la vie évangélique et à la charité fraternelle. Oui, je le veux. Êtes-vous disposé à... Eh bien, les frères m'ont élu pour être leur père abbé dans cette communauté. J'ai conscience que j'ai à être comme un pasteur qui conduit ses brebis. Et je les remercie pour la confiance qu'ils me donnent pour exercer ce service. C'est vraiment un service. Et j'aime beaucoup ce nom de service, de serviteur, être au service de la communauté pour avancer ensemble. Vers la vie éternelle et déjà dans le quotidien, jour après jour, avec Jésus. Dieu notre Seigneur, de combler son serviteur Dominique Marie, qui a été élu pour gouverner ce monastère. Cette bénédiction aujourd'hui que Monseigneur Luc Ravel va me donner, elle est source de grâce. Dieu Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour qu'il serve les hommes et donne en bon pasteur sa vie pour ses brebis. Nous te supplions humblement, bénis et remplis de force ton serviteur Dominique Marie, élu abbé de ce monastère. Accorde-lui, nous t'en prions, d'être manifestement par toute sa vie ce qui t'indique son nom. Alors, comme un ferment de vie divine, son enseignement pénétrera avec plus de fruits dans l'esprit de ses disciples. Qu'ils sachent en vérité, Seigneur, quelle tâche difficile il reçoit et combien il est ardu de diriger les âmes en s'adaptant au caractère de chacun de ses frères. On vient au monastère pour quelqu'un. On vient au monastère, enfin pour moi, on vient au monastère pour Jésus. Et après jour, on avance avec des hauts, des bas, sous un ciel bleu, un ciel gris. Mais il est toujours là. C'est ça, je crois, notre force. J'en suis même sûr. Heureux les hommes dont le Seigneur est la force. Si aujourd'hui on me demande quel est le trésor de ta vie, eh bien je dirais c'est la foi et de croire que voilà, Jésus m'accompagne dans le moment présent. Je veux vivre le moment présent avec Jésus le mieux que je peux, en lui faisant confiance. Mais j'aime beaucoup cette phrase du psaume 83, « Heureux les hommes dont le Seigneur est la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. » Et quand je pense à ma vie, où je suis rentré ici au monastère à l'âge de 52 ans, j'étais avant instituteur, je vois comment Dieu a travaillé d'étape en étape dans ma vie, en tenant compte de ma liberté. Il y a eu tout un chemin de fait et qui se poursuit, et j'espère, jusqu'à la fin de ma vie.